Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Cette fois, comme la plupart du temps, on va faire une nouvelle expérience. Je sais que vous aimez ça et puis j'adore ça moi aussi. Alors l'expérience qu'on va faire cette semaine, je vais me baser un peu sur ce qu'on avait fait il y a plusieurs semaines. Ma nouvelle technique de chute d'acrylique. Au lieu d'une chute d'eau, comme vous avez vu, on avait pris trois toiles et puis on avait fait un genre de chute d'acrylique. Ce que je vais faire d'ailleurs dans quelques vidéos, mais avec des plus grosses toiles, des genre 14-38 aller à 14-34, trois toiles comme ça. Et puis pour l'instant, comme je vous dis, la nouvelle technique qu'on va essayer, encore une fois un coulage acrylique, un dirty pouring. Mais cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller, on va faire un genre de flip cup, ben vraiment un dirty pouring. À la différence que, à chaque étape qu'on va faire, on va faire petit peu par petit peu. C'est-à-dire qu'on va faire un dirty pouring, on va laisser l'acrylique couler, comme on avait fait, comme je vous dis, la chute d'acrylique, mais on va le faire en plusieurs étapes, on va faire plusieurs fois. À la différence que, à chaque fois, on va laisser l'acrylique sécher. Alors, ce qu'on essaie de reproduire ou de faire, c'est de faire un dirty pouring par-dessus une couche d'acrylique, mais qui est séchée. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire, mais c'est sûr que ça va faire une différence, parce que vous savez comme moi que l'acrylique, lorsqu'elle sèche, elle prend des formes différentes, ce n'est pas tout à fait pareil comme quand on vient de le faire. Alors, je suis assez intrigué de voir ce que ça va faire. Là, je pense que la question qui est de mise, plutôt, ça va être la patience. Alors, on va essayer ça, puis ben c'est ça, on va voir ce que ça donne. On y va.
Bon, eh bien, c'est terminé. Je suis obligé de vous avouer que c'est vraiment pas ce que je m'attendais, puis c'est vraiment pas le résultat que je voulais. Comme n'importe quoi qu'on fait en peinture, on est en grande partie responsable. Je pense que je me suis mal pris. Écoutez, en fait, là, on a toujours des surprises avec le coulage à l'acrylique, mais cette fois, ma responsabilité se situe au niveau des couleurs que j'ai mis. Étant donné que notre canevas était noir, j'aurais dû partir avec du plus pâle et puis faire un build-up, puis m'en venir avec plus foncé, puis faire des contrastes comme ça. La technique qu'on a essayée, d'après moi, c'est superbe. C'est-à-dire, à chaque couche qu'on donne, on laisse sécher et puis on donne une autre couche. On fait ça. Moi, là, je l'ai fait 3 fois. Je crois qu'on pourrait le faire 4 et 5 fois. Ça serait très intéressant. Mais des détails vraiment légers, pas beaucoup d'acrylique dans nos verres. Je pense que ça serait intéressant. Puis évidemment, étant donné qu'on fait un genre de chute d'acrylique, on devrait idéalement mettre notre acrylique beaucoup plus liquide. Ça va être plus fluide, puis ça va faire un meilleur contraste. On va pouvoir jouer un petit peu plus avec. Alors c'est ça, on ne peut pas toutes les gagner. Hein. Malgré que je suis obligé de vous avouer que jusqu'à maintenant, on a été quand même assez chanceux parce que ce qu'on a fait, il n'y a rien que je n'ai pas aimé en fait. Donc, pas que je la déteste, là, mais je suis obligé de vous avouer que je l'aime pas tellement. On ne peut pas gagner à chaque fois. Fait que là-dessus, je vous dis, revenez au prochain vidéo, parce qu'au prochain vidéo, on va recréer ce qu'on avait fait avec la chute d'acrylique, d'ailleurs, sur 3 toiles. Comme on avait fait, mais si vous vous rappelez, on l'avait fait avec 3 petites toiles. Là, cette fois-ci, on le fait avec 4 grandes, de 14 pouces par 38 pouces, et puis les 2 autres, 2 pouces de moins à chacune d'elles. Alors, ça va être assez intéressant. On va essayer de prendre la même technique qu'on avait faite avec les 3 toiles. La technique que j'ai développée, c'est-à-dire vraiment la chute d'acrylique avec nos 3 toiles. Ça devrait être assez intéressant, surtout que là, c'est des toiles quand même assez grosses. Je vous ai une affaire, on va en passer là de l'acrylique, ça c'est certain. Alors là-dessus, je vous dis, on se revoit au prochain vidéo. Attention.